Rail CRC modélisme, présentation du serpent en version roller. C'est la version avec le châssis long. D'accord? Donc, s'il est fourni avec la boîte du RTR, avec une photo de radio qui a été une catastrophe qui n'existe plus, bah, voilà. Et le modèle que vous voyez là, c'est le modèle combo. C'est-à-dire qu'il est fourni une voiture roller, sans rien, un moteur, un ESC et une carro. Là, vous avez dû remarquer qu'il y avait une radio et un cerveau. C'est pour un petit clin d'œil à un de nos clients. Parce que c'est une voiture que nous allons monter et préparer pour un de nos clients. Donc j'en profite pour faire la vidéo. Donc ce modèle-là est fourni, comme je vous dis, une voiture, carro, moteur, ESC, et c'est tout. Vous devez rajouter cerveau et radio. Avec le roller, on vous fournit un sachet où il y a pignon, support de cerveau, biellette de direction, oui, biellette de direction, barre de direction, ou, voilà les supports. On vous fournit aussi deux câbles qui vont avec l'ESC Andine fiche pour des shorties. Vous voyez que les bacs sont très petits, donc c'est pour des batteries shorties en général en 130C. Une plaquette d'autocollant, malgré qu'il y a une plaquette avec des phares et tout, malgré que la carrosserie va pas avec. Un ESC en 150 ampères 6S. C'est le Dragon, hein. Voilà. Dragon RC, c'est comme ZTW, hein. C'est la même conception. De 6S, 150 ampères. Il y a le sensor. Voilà, deux fiches, un interrupteur, hein. Il est relativement connu. Si vous mettez le sensor, pensez à prendre une carte de probe qui va avec. Et le moteur qui vous fournissent avec, qui est un RAID. Relativement un bon moteur, marche bien. Alors on va essayer de le sortir de sa boîte. Alors il y a un cap sensor qui est fourni avec parce que c'est un moteur sensor. Voilà, donc les câbles sont à souder, la fiche sensor, c'est un 4 pôles, troisième génération. Alors attendez, j'essaye de choper ça correctement. Voilà, 2100 kV, hein, MR Design, RAID. Le moteur est très 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 joli. D'accord, il est fourni avec un cap sensor qui est là. Donc voilà, si notre cher client le sensor, faut qu'il nous contacte, hein, qu'on fasse le point. Voilà, donc la voiture, châssis au ras du sol, vous pouvez constater. Par contre, les jantes sont super jolies, les pneus apparemment sont de très bonne qualité. Alors cette voiture-là, il y a moyen de lui mettre des garde-sol. On peut presque en faire une rally game avec plus de suspension. Parce que vous voyez, elle est quand même relativement rigide d'origine. En plus, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien encore dedans. Donc, à voir. Hop, le dessous de la voiture. Tac. Je vous laisse en suspension 2 minutes comme ça. J'ai pas... On va aller chercher un outil qui pourrait être utile. Tac, 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 ça tourne un peu. J'espère que vous n'êtes pas trop malade. C'est pas grave. On va se mettre ici et ici. Donc, au milieu. On va essayer même de lever un peu, comme ça le fait bien.
Alors, excusez-moi. Tac. Tac. Donc, vous pouvez constater que là, ça vient au milieu. On arrive en anthrax de 355, 6, allez, 7, 8, peut-être 9. On n'est pas bien en face, mais si je me mets bien en face, le problème c'est que. Voilà, pour ceux qui posent la question de l'anthrax. Après, la voiture entière, allez, on va dire du bord de la roue à l'avant au bord de la roue arrière. Voilà, on a une voiture qui fait quand même 40. 45 de roue à roue, c'est quand même déjà un joli bébé. Il est aussi souvent préconisé de mettre des élargisseurs de voie aux roues parce que la carrosserie que j'attends est trop large par rapport au reste. Donc ça, apparemment, ça fait pas joli. Je le confirmerai une fois que j'aurai tout bien monté et reçu et voilà. Voilà. Alors ça, c'est le fameux servo HRC 28 kg ultra rapide. Hein? Quand je vous dis que c'est vraiment ultra rapide, on est à 7 volts 4 à 0,07 secondes. Et on a un torque de 28 kg pour 7 volts 4. Alors c'est monté, c'est un moteur digital de 6 volts à 7 volts 4 sur double roulement, pignon métal. Voilà, c'est très bon. En tout cas, la marque HRC au niveau des servos, j'en suis très content parce qu'ils sont étanches, solides, rapides dans toute la gamme, hein, que ce soit du 44 kg, du 32 kg, du 28 kg, du même le 22 kg, et relativement sympa. Après, ça, c'est une des radios que je préfère. On peut mettre jusqu'à 20 modèles dessus. C'est une 6 voix. Il y a la VC, mais bon, on s'en fout. Mais voilà, elle marche bien, elle est fiable. On peut mettre une batterie dedans. J'ai jamais eu de soucis avec cette radio. Jamais, jamais, jamais. Un poil cher peut-être, 100 balles la radio. Mais voilà, moi franchement, j'en suis content. Mais vraiment, très, 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 très content. Ça fait plusieurs années que j'utilise cette radio-là. Ça me va très, très bien. Donc là la présentation d'un peu tout ça. Donc en vrai c'est la présentation d'un projet pour un de mes clients en espérant qu'il voie la vidéo, sinon c'est pas grave. Voilà. Donc ça, le kit qui vous est présenté là ce soir, bien sûr c'est sans la radio, sans le servo, c'est un roller châssis long GT, un moteur 2200 kW de chez Red Sensor. Un ESC 150 A, 2.6S Sensor. Pareil, chez Dragon, ils n'aiment pas trop qu'on change les fiches. Malgré qu'il y a une loi européenne qui dit qu'on a le droit plus ou moins de changer les fiches, machin. Dragon n'aime pas trop ça pour leur garantie. Donc, il faut mettre un adaptateur, au moins le temps de la garantie. Après, voilà. Je le dis parce que c'est déjà arrivé à certaines personnes qui ont eu des soucis avec les ESC. Chose qui est quand même très très rare chez eux, mais ça peut arriver. Quand les fiches ont été remplacées, ils aiment pas trop, ils sont chiants et c'est compliqué. C'est surtout beaucoup de temps perdu avant d'avoir des décisions de prise de part et d'autre. Donc bah voilà. Sur ce, à bientôt pour la présentation de quelque chose d'autre, ou de pneus, ou de pièces, ou de modèles, ou voilà. Pensez que. On peut vous faire n'importe quel modèle en roller. On vous enlève l'électronique, on vous fait une remise très intéressante dessus. Que ça soit du Vendetta ou du Vortex, n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc on se tient aussi toujours disponible. N'hésitez pas à liker, partager, mettez des commentaires, dites ce que vous pensez. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous gonfle pas, c'est pas grave.
On est là juste pour vous amener une présentation à notre manière, juste comme un simple catalogue, comme je vous ai dit la dernière fois. Voilà. Allez, messieurs, à bientôt, sûrement pour une prochaine. Bye bye. Feel the difference.